David Riancourt, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Livre Noir pour ce premier entretien de l'année. Nous sommes heureux de vous recevoir pour deux raisons. D'abord parce que vous avez été un des plus prestigieux diplomates français en ayant été deux fois à l'ambassade de France en Algérie de 2008 à 2012 et de 2017 à 2020. Mais également, c'est une grande nouvelle pour nous parce que vous avez accepté de diriger le nouveau comité stratégique de Livre Noir. Et pour cela, nous vous en remercions. Dans cet entretien, nous allons revenir sur une de vos propositions phares, qui est la dénonciation de l'accord franco-algérien de 1968. Mais avant cela, je tiens à remercier tous nos auditeurs et je les invite à se rendre sur notre site internet www.livrenoir.fr pour découvrir notre nouvelle équipe et nos nouvelles offres. N'hésitez pas à nous soutenir en commandant notre magazine qui sortira le 27 septembre et à prendre vos places pour notre grand événement du 30 septembre. Merci à tous pour votre soutien. Alors sans transition, Xavier Driancourt, pour ma première question, pourquoi avoir accepté de diriger le comité stratégique de Livre Noir et en quoi cela va-t-il consister ? Vous avez parlé de premier entretien de l'année. En fait, c'est premier entretien dans vos nouveaux locaux également, puisque vous avez déménagé et vous êtes installé ici. Donc, j'inaugure cette série d'entretiens. Alors, pour répondre à votre question, je crois que ce qui est important, c'est que des, entre guillemets, des experts comme moi, qui ont pratiqué de très près les questions liées à l'immigration, les visas, les laissez-passer consulaires, les questions migratoires sous toutes leurs formes, puissent apporter cette expertise à des gens qui, comme vous, réfléchissent à trouver et mettre en œuvre des solutions. Et je pense que la question, vous le savez comme moi, la question de l'immigration est devenue, d'après les sondages, une question prioritaire chez beaucoup de Français. Et il est important qu'il y ait d'un côté des gens qui réfléchissent, la théorie, si je puis dire, mais qu'il y ait de l'autre côté des praticiens qui ont, pour ma part, pendant plus de 10 ans, exercé des fonctions régaliennes qui m'ont amené à être quand même un bon connaisseur de ces questions migratoires. Et je pense que je peux apporter au comité stratégique, comité d'orientation, je ne sais pas comment il s'appellera, de Livre Noir, un certain nombre d'orientations ou de propositions. Vous avez beaucoup fait parler de vous ces derniers mois en dénonçant les accords d'Algérie. En quoi consiste ce traité sur l'immigration, cet accord sur l'immigration algérienne de 1968 et où puisse-t-il ses origines ? Alors, cette question, elle est compliquée. Et ma réponse risque peut-être d'être un petit peu longue. En tout cas, je vais essayer d'être le plus pédagogue possible. Avec l'Algérie, nous avions un régime avant les accords d'Évian, puisque l'Algérie était des départements français, nous avions un régime de libre circulation entre les deux rives de la Méditerranée. En 1962, l'Algérie devient indépendante. Dans les accords d'Évian, nous pensions du côté français que les Français et les Européens qui résidaient en Algérie resteraient en Algérie, dans l'Algérie indépendante. Personne n'avait anticipé ce qui allait se passer après 1962, c'est-à-dire l'exode, le rapatriement en France de ce qu'on appelait les pieds noirs. Donc les pieds noirs sont rentrés à partir de juillet 1962 en France métropolitaine, ont quitté l'Algérie. Et les accords d'Évian, qui prévoyaient une libre circulation entre les deux pays, désormais indépendants, posaient un problème, parce que ça voulait dire que les Algériens avaient la libre circulation pour venir en France. Pendant quelques années, on n'a rien fait de particulier. C'est seulement en 1968 qu'on a négocié avec l'Algérie des accords particuliers, qui sont les accords du 27 décembre 1968, qui prévoit non pas le retour à la libre circulation, parce que personne n'en voulait, ni les Français ne voulaient accepter la libre circulation pour les Algériens pour venir en France, et les Algériens ne voulaient pas que les pieds noirs puissent revenir librement en Algérie.
Donc, on ne voulait pas revenir à la libre circulation, mais on voulait en même temps un régime un petit peu particulier, un peu, j'allais dire, dérogatoire par rapport aux autres pays, notamment à nos anciennes colonies d'Afrique, pour donner un certain nombre d'avantages aux Algériens que les autres pays d'Afrique noire ou nos anciennes colonies n'avaient pas. Donc ce sont des accords très importants qui datent de 68, qui ont été modifiés légèrement au fil des années, mais pas modifiés fondamentalement dans leur essence au profit des Algériens. Alors je détaille dans cette note que vous avez rappelée, la note que j'ai rédigée pour la Fondation pour l'innovation politique, un certain nombre de ces avantages qui ont été accordés par ces accords aux Algériens, avantages pour les étudiants, avantages en matière de titre de séjour. Ils disposent d'un certificat de résidence algérien, un titre un peu particulier, mais qui n'est pas le titre de séjour normal. Avantages en matière de régularisation des clandestins, avantages pour le regroupement familial, notamment pour les conditions liées à l'intégration, à l'usage de la langue française, à la connaissance du pays, etc. Donc il y a beaucoup de dérogations au profit des Algériens que n'ont pas les autres nationalités. C'est pour ça que ces accords, qui se justifiaient peut-être en 1968 parce que la période était celle de ce qu'on a appelé les Trente Glorieuses, où la France avait besoin de main-d'œuvre et de main-d'œuvre francophone si possible. Et donc, aujourd'hui, 60 ans après, les conditions ne sont plus les mêmes. Donc, pourquoi maintenir ces accords? Et si, justement, les conditions ont changé, pourquoi est-ce que le gouvernement français, aujourd'hui, il semble ne pas vouloir réviser ces accords? C'est-à-dire qu'on a des déclarations récentes d'Emmanuel Macron pour qui ça ne semble pas être une préoccupation, cette question algérienne. Et si justement ces conditions ont changé par rapport aux accords d'Algérie, pourquoi est-ce que Emmanuel Macron ne semble pas se préoccuper de cet accord? Alors, cet accord de 1968, on a tenté de le renégocier et on a signé avec les Algériens plusieurs avenants au traité, dont le dernier date de 2011. J'étais alors ambassadeur à Alger. Et en réalité, nous, du côté français, nous souhaitons et nous souhaitions revenir sur les dérogations accordées aux Algériens. Mais du côté algérien, ils souhaitaient, eux, obtenir davantage, si je peux dire, plus davantage, au contraire. Donc, en réalité, le cœur du dispositif de l'accord franco-algérien n'a pas été modifié. Pourquoi ne l'a-t-on pas modifié? Pourquoi le président de la République, dans différentes déclarations récentes, aussi bien la semaine dernière, je crois, à Saint-Denis, lorsqu'il a été interrogé par un certain nombre d'hommes politiques, Édouard Philippe, M. Ciotti notamment, dans une interview qu'il a faite au Point, je crois, la semaine dernière également, il a botté en touche, si je puis dire, et il a dit clairement que la révision ou la dénonciation ou l'abrogation de l'accord franco-algérien n'était pas une priorité. Je pense qu'il a fait ce choix parce qu'il anticipe déjà la réaction des Algériens, du gouvernement algérien. Cet accord étant dérogatoire par rapport au texte que nous avons avec d'autres pays, cet accord étant dérogatoire et générant beaucoup d'avantages au profit des Algériens, cet accord, compte tenu de la réglementation des normes juridiques en France, cet accord international l'emportant sur les lois votées par l'Assemblée nationale, ce qui fait que les Algériens échappent de facto aux lois sur l'immigration votées par le Parlement. Je pense que le président de la République et le gouvernement savent très bien que, comme je l'écris dans cette note et dans mon livre, dénoncer les accords de 1968, ce serait un peu l'arme nucléaire vis-à-vis de l'Algérie. Et que les Algériens, le gouvernement algérien,
réagiraient de manière extrêmement sensible. Parce que pour eux, l'accord de 1968, c'est fondamental, ça leur donne un certain nombre de passe-droits, ça marque leur différence par rapport au Maroc. Donc voilà, ils ont tout intérêt à garder cet accord. Et je pense que le président de la République est bien conscient des difficultés diplomatiques que nous aurions avec l'Algérie. Et par quels moyens, en fait, si on avait envie de rompre cet accord, ce serait un accord une rupture unilatérale? Ce serait un traité, tout traité n'est pas, par définition, éternel. Le problème, c'est que l'accord franco-algérien ne prévoit pas de clause de dénonciation. C'est un oubli regrettable. Mais tout accord peut être dénoncé lorsque les conditions politiques, juridiques ont changé, les conditions internationales ont changé. Et donc, je pense, après avoir retourné le problème dans tous les sens pendant les 8 années que j'ai passées à Alger, je pense que la seule solution, c'est finalement de dénoncer unilatéralement cet accord. Ou alors, de manière plus subtile, le gouvernement français pourrait dire aux Algériens, écoutez, nous sommes le 1er septembre 2023, donnons-nous jusqu'au 1er février 2024 pour renégocier sérieusement l'accord et pour remettre les choses à plat. Mais on vous prévient que si le 1er février 2024, nous ne sommes parvenus à aucun résultat, ou si vous êtes de mauvaise foi, ben nous serons obligés de dénoncer l'accord. Donc on leur laisse une porte de sortie, mais avec la possibilité de le dénoncer au bout d'un certain temps. Mais je pense que du côté français, on est un peu timoré, gêné par la difficulté de l'exercice. Est-ce que le gouvernement actuel, il y a aussi une question où il n'y voit pas d'intérêt dans son idéologie, ce serait plutôt du coup un gouvernement de droite qui pourrait s'emparer de la question, selon vous? Ce qui m'a frappé lorsque j'ai publié cette note, c'est de voir les réactions des partis ou des hommes politiques. C'est-à-dire, toute une frange de la droite, Éric Zemmour, Marine Le Pen, Jordan Bardella, Éric Ciotti, Gérard Larcher, jusqu'à Édouard Philippe, Nicolas Sarkozy, la semaine dernière, dans son livre qu'il vient de publier, tous disent qu'il faut dénoncer l'accord de 1968 avec l'Algérie. Mais Nicolas Sarkozy a été au pouvoir, Édouard Philippe a été Premier ministre, ils n'ont rien fait vis-à-vis de l'Algérie. J'étais ambassadeur à Alger dans mon premier séjour, lorsque Nicolas Sarkozy était président de la République. Je n'ai jamais reçu d'instruction pour faire des démarches auprès des Algériens pour dénoncer l'accord de 1968. Donc, ils semblent découvrir la réalité alors qu'ils étaient censés la connaître. Donc, c'est un petit peu étrange. Mais je pense qu'effectivement, ce n'est certainement pas un gouvernement de gauche qui entreprendra des démarches pour dénoncer l'accord franco-algérien. Encore que Manuel Valls a approuvé mon point de vue. Je vais revenir un petit peu sur vous. Xavier Driancourt, vous étiez ambassadeur en Algérie. J'aimerais que vous nous expliquiez un peu aujourd'hui quelle est la place, quel est le rôle du diplomate quand il va dans un pays, parce qu'il est autour de divers acteurs, je pense aux entreprises, aux ONG. Quel est aujourd'hui son rôle lorsqu'il est dans un pays? Alors, j'étais ambassadeur dans plusieurs pays, j'étais en poste dans plusieurs pays, j'étais en Algérie, donc deux fois ambassadeur, j'avais été ambassadeur en Malaisie, j'avais été en Australie. Je crois que le rôle d'un ambassadeur dépend un peu selon la relation qu'on a avec ce pays. Regardez ce qui se passe aujourd'hui au Niger, regardez ce qui se passera peut-être demain au Tchad, au Sénégal, dans d'autres pays du Sahel. Et en Algérie, c'est vrai que ce qui est important dans notre relation avec l'Algérie, contrairement à la Malaisie, contrairement à l'Australie, où j'ai donc été également en poste, l'Algérie, c'est à la fois de la diplomatie et c'est de la politique intérieure française. Et donc, le rôle d'un ambassadeur, c'est crucial dans un pays comme l'Algérie, compte tenu de nos liens historiques, compte tenu de l'importance de ce pays pour la France, compte tenu de
des problèmes de sécurité en Méditerranée, compte tenu de la question migratoire. Donc, le rôle d'un ambassadeur de France à Alger, c'est vraiment d'essayer de comprendre, d'expliquer, de décrypter la réalité politique algérienne. Moi, j'ai été ambassadeur donc deux fois à Alger. La première fois, Bouteflika était en pleine forme. La deuxième fois, pendant mon second séjour, Bouteflika était malade, ne recevait plus personne. Tout le monde s'attendait à ce qu'il disparaisse du jour au lendemain ou qu'il ne se représente pas aux élections. Donc le rôle d'un ambassadeur, à ce moment-là, c'est vraiment d'essayer d'anticiper ce qui va se passer. Je crois que la grande différence entre le rôle qu'exerce aujourd'hui un ambassadeur en 2023 et le rôle qu'exerçait un diplomate avant la Seconde Guerre mondiale ou au moment de la Première Guerre mondiale, la grande différence, c'est vous qui la faites, c'est-à-dire c'est l'immédiateté des communications, l'immédiateté de l'information. Il se passe quelque chose à Pékin en ce moment, ou un tremblement de terre en Mongolie, ou un coup d'État au Niger, dans 3 minutes ou dans 2 minutes, les réseaux sociaux l'auront transmis à Paris, on sera au courant. Donc le rôle d'un ambassadeur n'est pas, comme en 1914 ou comme en 1939, de transmettre l'information brute, mais de l'analyser, de la comprendre et encore une fois d'anticiper. Lorsque j'étais à Alger pendant le Hirak, cette révolution qui a abouti au départ de Bouteflika en 2019-2020, j'ai eu un jour un appel téléphonique du président de la République en personne qui m'a demandé, ça, l'entretien a duré près d'une demi-heure, qui m'a demandé de lui expliquer ce qui se passait à Alger, qui se demandait, et j'essayais de lui répondre, ce qu'il fallait faire, comment la situation allait évoluer, si Bouteflika allait tomber. Donc le rôle d'un ambassadeur, c'est cela, c'est de pouvoir expliquer, décrypter et encore une fois, anticiper pour conseiller les autorités françaises et les décisions, elles seront prises par le pouvoir politique. Justement, si on fait un peu le bilan, après 6 ans de mandat, quel bilan vous tirez, vous, de l'ère Macron concernant les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie ? Je pense notamment à la question du gaz, à la question migratoire. Quel bilan on peut en faire ? Je dirais que ce qui me préoccupe, c'est les allers-retours ou les va-et-vient dans notre politique vis-à-vis de l'Algérie, comme vis-à-vis du Maroc, du reste. Aujourd'hui, après 6 ans, comme vous l'avez dit, je constate que nous sommes mal avec le Maroc. Le roi Mohamed VI n'a plus d'ambassadeur à Paris depuis 1 an. Nous ne sommes pas bien du tout avec l'Algérie. Donc on est brouillé avec ces deux pays qui sont des pays très importants pour la France, compte tenu, encore une fois, de la proximité géographique, de l'histoire, de l'immigration, de la sécurité en Méditerranée. Et ce qui me frappe dans notre politique vis-à-vis de l'Algérie, c'est un peu les allers-retours, c'est-à-dire elle a commencé très forte avec les déclarations du candidat Macron à l'époque sur la décolonisation, crime contre l'humanité. Ensuite, il y a eu un certain nombre de gestes, notamment dans le domaine mémoriel, qui ont été faits par le président de la République avec Benjamin Stora. Ensuite, il y a eu ces fameuses déclarations qui ont été faites aux journalistes du Monde en présence de jeunes Algériens ou Franco-Algériens, dans lesquels le président de la République a eu des mots extrêmement durs sur l'Algérie. Tebboune est aux mains des militaires, l'Algérie n'a pas d'histoire, avant la France, l'Algérie n'existait pas, le système politico-militaire algérien, donc des mots extrêmement durs vis-à-vis de l'Algérien, donc là c'est un coup à droite. Il y a eu la suspension de la délivrance des visas pendant un certain temps, où on a réduit le nombre de visas délivrés de 50%. Et puis, 3 mois après,
Le président de la République va à Alger, va faire des grandes embrassades au président Tebboune pendant 3 jours, n'obtient rien, ni sur le plan des visas, ni sur le plan des laissez-passer consulaires, ni sur le plan mémoriel, ni sur le plan économique. Il envoie Madame Borne ensuite avec 15 ministres pour prendre le relais. Et les Algériens continuent à nous insulter, à nous envoyer des gifles. Vous avez vu que pendant les émeutes du mois de juin, ils ont publié un communiqué appelant le gouvernement français à bien traiter les jeunes Algériens de France, alors que le jeune Nahel, qui est mort, n'était pas, à ma connaissance, algérien, n'avait pas la nationalité algérienne, il était peut-être d'origine ou d'ascendance algérienne. Mais voilà, on a l'impression que plus nous vous avons fait de gestes, plus nous sommes maltraités par Alger. Est-ce que vous élargiriez ce raisonnement aux autres pays d'Afrique dans lesquels on a de plus en plus de revers? Je pense à la Centrafrique, le Niger, tous ces pays-là. C'est un petit peu différent. Je crois que les pays que vous venez de citer, ce n'était pas comme l'Algérie, des départements français. Ça ne faisait pas partie intégrante de la France. Ce n'était pas des colonies de peuplement. En France, une des difficultés, c'est que nous avons sur le territoire français à la fois une population d'origine algérienne, des Algériens, des Franco-Algériens, des binationaux, etc., mais aussi des pieds-noirs, des harkis, des gens qui résidaient en Algérie, qui habitaient en Algérie et qui sont revenus en France en 1962. Donc la situation n'est pas la même que par rapport aux pays du Sahel qui n'ont jamais été des colonies de peuplement. Et puis, je pense qu'avec le Sahel, avec les pays Niger, Burkina Faso, Tchad, Mali, etc., je pense que là, il y a un véritable aggiornamento, une mise à jour de nos relations qui est nécessaire. D'une manière générale, vous l'avez évoqué, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent, à la politique, aux relations internationales. Ils ont cette analyse, ce sentiment de pas être, que la France n'est pas respectée ces dernières années par le gouvernement algérien. Est-ce que c'est vrai selon vous? Mais, comme le disait un ancien premier ministre algérien qui est aujourd'hui en prison, il disait, vous savez, nous connaissons les Français beaucoup mieux que vous ne nous connaissez. Et je pense qu'il faut méditer cette phrase, c'est-à-dire qu'eux, ils nous connaissent parce qu'ils ont beaucoup de monde sur le territoire français, 20 consulats, une population d'origine algérienne importante, une forte communauté algérienne ou franco-algérienne. Ils nous connaissent, ils connaissent notre mode de raisonnement, ils connaissent, ils décryptent nos réactions politiques. Ils connaissent les divisions de la classe politique entre les extrêmes de droite, de gauche, les partis de gouvernement, ceux qui ont gouverné de droite comme de gauche. Donc ils savent parfaitement où sont nos faiblesses. Et je pense que c'est ça la grande difficulté dans notre relation avec l'Algérie. L'Algérie, pour nous, c'est quelque chose d'indéchiffrable, de très difficile à comprendre. Et moi, qui ai passé presque 8 ans en Algérie, je reconnais que même au bout de 8 ans, c'est difficile de comprendre ce pays. Mais eux, ils nous connaissent beaucoup mieux et c'est ça notre faiblesse. Et est-ce que du coup, en réaction à ça, on devrait se montrer plus ferme, nous, dans notre dialogue avec l'Algérie? Il faut être plus ferme parce que les Algériens ne comprennent que le rapport de force. Ils ne comprennent qu'une chose, c'est le rapport de force et la réciprocité, comme ils disent. Revenons un peu en France. Il semble que les motivations des migrants algériens, elles ont changé au fil des années. On se souvient de générations qui s'étaient plus facilement assimilées dans les années 60. Ou par rapport aux générations d'aujourd'hui qui semblent avoir des motivations différentes, qui ont de plus en plus de mal avec ces notions d'assimilation, d'intégration. Il y a des revendications identitaires qui naissent. Quel est le rapport aujourd'hui de la communauté algérienne en France à son pays d'accueil? Alors, c'est un sujet complexe parce qu'il y a eu plusieurs strates, plusieurs étapes dans
l'émigration algérienne ou l'immigration algérienne en France, ça dépend de quel côté on se place. Il y a eu, c'est dans les années 30-40, parce que c'est une immigration très ancienne, il y a eu des vagues de travailleurs algériens qui venaient pour bosser quelques années et non pas dans une perspective de s'intégrer ou de s'installer en France, mais qui venaient travailler, envoyer l'argent au bled, comme on dit, et puis qui pensaient repartir en Algérie après leur retraite. Et c'était une population qui voulait se faire, j'allais dire, discrète, parce que la relation entre la France et l'Algérie, surtout au moment de l'indépendance, après, entre 1954 ou entre 1945 et 62, en gros, la relation était très compliquée. Il y avait l'épisode de la guerre d'Algérie, il y avait tout Algérien est un petit peu considéré comme suspect parce que c'était l'époque du FLN, de la guerre. Donc, c'était une population qui voulait se faire discrète et pour vivre heureux, vivons cachés en quelque sorte. Et je me souviens d'une remarque de quelqu'un qui me disait à l'époque, on ne pratiquait pas notre religion parce qu'on voulait montrer que nous n'existions pas, qu'on était discret et on se noyait dans le paysage français. Ensuite, il y a eu des vagues d'immigration liées, je le disais tout à l'heure, à la période des Trente Glorieuses et au développement économique de la France. Une deuxième, une troisième génération, très variée, très diversifiée, parce qu'il y a à la fois, si vous voulez, dans cette population algérienne ou franco-algérienne ou française d'origine algérienne, il y a des profils très variés. Vous avez des gens parfaitement intégrés, qui sont parmi les couches supérieures de la population, beaucoup de journalistes, beaucoup de médecins. Regardez dans les hôpitaux parisiens, vous avez énormément de médecins d'origine algérienne, des informaticiens, des gens qui sont dans les hautes technologies, dans les technologies de pointe. Vous avez beaucoup de scientifiques d'origine algérienne, donc des gens parfaitement intégrés et qui font honneur aussi bien à la France qu'à l'Algérie. Et puis vous avez ce phénomène nouveau des jeunes de nos banlieues, de nos cités, qui sont souvent français d'origine algérienne, qui n'ont pas la nationalité algérienne, qui n'ont pas le passeport algérien, mais qui sont de parents, de grands-parents issus de l'immigration algérienne. Donc voilà, c'est une population extrêmement variée, d'où les problèmes que l'on rencontre aujourd'hui. C'est une population qui, encore une fois, les premières générations cherchaient parfaitement à s'intégrer dans le paysage professionnel, politique, économique français. La quatrième ou la cinquième génération, aujourd'hui, il faut reconnaître que c'est très difficile. On l'a vu au moment des émeutes du mois de juin. Et qu'est-ce que vous pensez de ce paradoxe qui est que certains ont fui en Algérie, ont fui l'Algérie pour des raisons de valeur, parce qu'ils étaient opprimés, parce que je pense aux Kabyles, je pense à toutes ces personnes qui ont fui l'Algérie par rapport même à l'islam, par rapport à un régime autoritaire, et qui retrouvent finalement en France aujourd'hui un identitarisme fort de culture musulmane, et qui se retrouvent finalement en train de dire tout recommence. C'est, vous le dites justement, c'est un paradoxe. C'est un paradoxe. C'est-à-dire, ce sont des gens qui souvent se sentent rejetés en Algérie quand ils y retournent l'été, par exemple, parce qu'ils sont dans un univers qu'ils ne connaissent plus, qu'ils ne reconnaissent plus. Ils sont considérés par leurs amis, par leur famille, par les gens du bled. Ils sont considérés comme, je caricature, comme l'oncle d'Amérique, celui qui est parti en Europe, en France, et qui a réussi,
même si ce n'est pas toujours le cas, mais sont considérés comme des nantis, comme des privilégiés. Donc, ils sont un peu rejetés dans leur pays d'origine. Et en France, ils ne se sentent pas intégrés. Donc, ils se sentent rejetés également. C'est ce qui explique largement cette frustration, ce mécontentement qui se traduit dans le retour ou dans une espèce de recherche mythique, religieuse parfois, identitaire, d'un monde qui n'existe pas. Mais rejeté en Algérie, rejeté en France, il se projette dans un troisième univers identitaire. Et ils se sentent plus algériens quand ils sont en France, et quand ils sont en Algérie, ils se sentent plus français. C'est un paradoxe. Et qu'est-ce qu'on pourrait proposer, justement, comme projet national à ces personnes qui sont rejetées des deux côtés de la Méditerranée ? C'est, je crois, c'est pas facile de répondre sur le champ. Je crois que c'est vraiment toute la réflexion que doivent mener nos politiques, mais pas seulement les politiques, sur l'intégration, l'assimilation en France. J'aimerais vous parler d'un écrivain qui s'appelle Boualem Sansal. Vous le connaissez bien. Il oui. a d'ailleurs accepté également de rejoindre notre comité stratégique. Lui, il a fait le choix de rester en Algérie. Est-ce que vous pourriez nous parler justement de son œuvre, de ce qu'il avance comme idée et de ce choix de rester en Algérie ? Alors effectivement, je connais bien et je voyais souvent lorsque j'étais à Alger, et je le vois souvent quand il vient à Paris, Boualem Sansal, et je suis très, très heureux qu'il ait pu nous rejoindre dans le comité stratégique, parce que je crois qu'il a une vraie réflexion originale à apporter. Et comme vous l'avez dit, lui, contrairement à nous, il est en Algérie. Donc, il a vécu la guerre civile algérienne dans les années 90-2000. Il habite dans une région boumerdaise, dans une ville qui est le début qui a été un des hauts lieux de la guerre civile pendant la décennie noire algérienne, où il y a eu beaucoup d'attentats, de crimes, de meurtres pendant la guerre civile algérienne. Il écrit, il vient en France régulièrement pour voir son éditeur, du reste, et il a fait le choix de rester en Algérie, mais c'est très courageux, parce que les idées qu'il professe et qu'il publie régulièrement, notamment dans des journaux ou des hebdomadaires français, sont très radicales. Le point de vue qu'il exprime est très radical. Pour simplifier, il dit en gros, faites attention, en France aujourd'hui, avec tous vos problèmes de banlieue, les questions de voile, les questions d'abaya, etc., vous êtes en train de céder aux islamistes, aux revendications islamistes, et vous en êtes exactement au point où nous, en Algérie, nous étions dans les années 80. Et ça a généré la guerre civile des années 90. Donc Boualem Sansal met en garde la France, les autorités françaises, les lecteurs de ces nombreux livres, pour dire attention, en France, vous allez... Nous savons ce que ça a été en Algérie. Nous savons ce qu'a été une guerre civile. Et en France, si vous continuez à céder aux revendications diverses et variées, relayées par les médias, relayées par certains groupes, relayées par certains politiques, et en tout cas instrumentalisées par les islamistes, vous allez connaître ce que nous avons vécu en Algérie. Et justement, pour être vraiment dans l'actualité, il y a eu la question de l'abaya dernièrement avec Gabriel Attal, qui a interdit son port dans l'école. Qu'est-ce que vous en pensez, justement, de cette mesure ? C'est un coup d'arrêt extrêmement clair, pour une fois. On n'a pas... Un autre choix aurait pu de dire, ou d'être, comme ça avait été fait en 1998, au moment de l'affaire du voile, quand la question s'était pour la première fois posée,
Un autre choix aurait pu être de saisir le Conseil d'État ou un groupe de sages pour faire une réflexion sur l'abaya. Résultat, on sera arrivé à rien du tout et à un truc mi-chèvre, mi-chou. Là, le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a pris une décision ferme, claire, apparemment appuyée fermement par le président de la République, comme il l'a dit cette semaine. Donc, c'est un choix clair dont il faut se féliciter. Mais est-ce qu'il n'y a pas tout de même, encore une fois, un paradoxe, parce qu'il a aussi nommé Pape Ndiaye à l'ambassade de l'Union européenne au Conseil de l'Europe? Il faudra que l'ambassadeur représentant permanent au Conseil de l'Europe à Strasbourg défende non pas les positions qui sont les siennes, Pape Ndiaye, mais les positions du gouvernement français, les instructions du gouvernement français. Dernièrement, il y a eu un gros incident entre le Maroc et l'Algérie. Il y a des Marocains qui ont été tués par des militaires algériens. Ça fait longtemps qu'il y a des grosses rivalités entre le Maroc et l'Algérie, notamment pour le Sahara occidental. Est-ce qu'une guerre entre le Maroc et l'Algérie serait un jour possible ? Il y a eu, c'était ce week-end, un incident, même un accident, à la frontière algéro-marocaine, puisque deux jeunes, je crois qu'ils faisaient du jet ski, ont été tués par l'armée algérienne. Alors, les relations entre le Maroc et l'Algérie, elles sont extrêmement difficiles, parce que les relations diplomatiques sont maintenant rompues depuis un an. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'ambassadeur d'Algérie à Rabat et il n'y a plus d'ambassadeur du Maroc à Alger. La frontière entre les deux pays est fermée depuis 1994. Donc ces deux pays sont en état de non pas de belligérance, mais sont en état de grande surveillance mutuelle, avec évidemment des risques de dérapage, parce que les contentieux entre le Maroc et l'Algérie sont nombreux. Il y a d'une part deux systèmes politiques différents, l'un une république un peu populaire, autoritaire, l'Algérie, l'autre un royaume dirigé par le roi qui est commandeur des croyants. Deux économies qui sont différentes, une économie l'algérienne qui vit du gaz et du pétrole, une économie marocaine qui vit de l'industrie, il y a Renault à Tanger, de l'agriculture, du tourisme. Et puis il y a la question du Sahara occidental, cette ancienne colonie espagnole qui a été annexée par le royaume marocain dans les années 90. Donc il y a beaucoup de sujets de contentieux entre les deux pays. Et il faut éviter que ça dégénère en guerre. Pourquoi ? Parce qu'une guerre... Alors, il y a eu, j'oublie un élément important. Il y a eu, il y a deux ans, ce qu'on a appelé les accords d'Abraham, qui font que, avec les États-Unis, Israël, le Maroc et les États-Unis ont... Israël et les États-Unis ont reconnu l'appartenance du Sahara occidental à... au Maroc, en échange de la reconnaissance par le Maroc du gouvernement israélien. Et à côté, l'Algérie, elle, s'est de plus en plus engagée aux côtés de la Russie. Donc on a deux face-à-face diplomatiques et militaires au Maghreb. Et une guerre entre les deux serait catastrophique, parce que ce serait catastrophique pour l'Europe, pour l'Espagne, l'Italie et la France, et en termes migratoires, parce qu'on peut imaginer qu'un conflit entre les deux pays provoquerait une vague, un tsunami migratoire de gens qui voudraient fuir ou le Maroc ou l'Algérie. Donc, il faut espérer qu'il n'y ait pas de conflit entre le Maroc et l'Algérie. Et justement, dans toutes ces tensions, quelle est la politique actuelle, la diplomatie française, comment est-ce qu'elle essaie de gérer ça ? Quelle est sa position ? Le problème, c'est que, nous le disions au début de l'entretien, nous sommes aujourd'hui mal, en mauvaise posture vis-à-vis du Maroc et vis-à-vis de l'Algérie. Donc nous n'avons plus beaucoup de dialogue avec ces deux pays. C'est là toute la difficulté.
Et dans ce contexte aussi, je continue justement de parler du Maroc qui s'est aligné sur les États-Unis et l'Algérie qui s'est alignée sur la Russie. Est-ce que l'Algérie, c'est une possibilité qu'un jour elle rejoigne les BRICS ? Alors l'Algérie, c'est son rêve, c'est son souhait. Elle a posé sa candidature au BRICS. Le sommet des BRICS qui a eu lieu il y a 8 jours à Johannesburg n'a pas retenu la candidature algérienne, humiliation suprême, alors que les BRICS ont intégré l'Égypte, qui est un ennemi de l'Algérie ou considéré comme un rival de l'Algérie, et l'Éthiopie, qui n'est pas un pays extrêmement développé. Donc pour l'Algérie, c'est un revers diplomatique important que de ne pas avoir été intégré dans les BRICS. Mais d'une manière générale, il y a une rivalité entre l'Algérie et le Maroc sur le continent africain, dans les États du Sahel, au sein des organisations internationales africaines. Algérie et Maroc se surveillent étroitement. Et donc, voilà, ce conflit, cette rivalité entre les deux pays aura des répercussions diplomatiques en Afrique, à l'ONU et dans les différentes enceintes internationales. Ce qui est paradoxal là aussi, parce que de mon point de vue, l'Algérie et le Maroc, si ils surmontaient leurs difficultés, leurs rivalités, devraient être à l'Afrique ce qu'a été le Benelux pour la création du marché commun puis de l'Union européenne. Le Benelux, c'était la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, qui étaient ces trois petits pays du Nord qui ont été le moteur de la création du marché commun dans les années 50 et 60. Et aujourd'hui, l'Union européenne. Donc ces trois pays se sont alliés pour créer, faciliter le marché commun. Je pense que l'Algérie et le Maroc, qui sont deux grands pays, avec deux grandes diplomaties, avec des économies tout à fait complémentaires, devraient être en Afrique ce qu'a été le Benelux pour l'Union européenne. J'aimerais avoir votre analyse également. Quelque chose me revient, c'est-à-dire pendant les émeutes, vous l'avez évoqué, l'Algérie a condamné justement ce qui s'était passé vis-à-vis de Nahel et avait affirmé qu'il fallait protéger les ressortissants algériens. Est-ce que c'est un coup des Russes ? On peut se poser la question, mais il ne faut pas l'exclure. Tebboune est allé à Moscou exactement à ce moment-là, à Saint-Pétersbourg. On ne peut pas exclure que Poutine ait dit à Tebboune « Écoute, mon vieux, moi, je suis en guerre avec beaucoup de pays de l'OTAN, dont la France. En France, il y a une importante communauté algérienne. Je pense que tu pourrais m'aider et essayer de mettre le doigt là où ça fait mal en France, c'est-à-dire sur la communauté algérienne. Et notamment, je vois qu'il y a des émeutes en ce moment en France. Donc, si tu pouvais soutenir les émeutiers, notamment les émeutiers algériens, ça m'aiderait un petit peu. Donc, on peut pas l'exclure. Une dernière question qui, à mon sens, est tout à fait politique et très importante, c'est la question du football. La question qui revient souvent d'organiser un match de football entre la France et l'Algérie. Comment ça se passerait, à votre avis, ce match ? Alors, le football en Algérie, c'est le mythe absolu et c'est quelque chose de sacré. Le football a aussi beaucoup de succès, bien sûr, en France. Le problème que j'anticipe, c'est que, bien sûr, il y a deux pays qui s'opposeraient sur un stade. Et le dernier match, je crois, en 2000, ça avait eu lieu au Stade de France, où la Marseillaise avait été sifflée, si j'ai bonne mémoire. Oui. Donc, on aurait un match entre deux pays. Ça prendrait tout de suite une dimension très importante si, en plus, la France et l'Algérie, à ce moment-là, se trouvaient en mauvais termes. Mais l'autre difficulté, c'est que vous avez
dans l'équipe nationale d'Algérie, beaucoup de joueurs qui ont la double nationalité, qui ont la nationalité algérienne et la nationalité française, et qui donc ont été formés à Laval, à Montpellier, à Rennes, à Guingamp, au PSG, que sais-je encore. Donc vous avez des joueurs français dans l'équipe d'Algérie, et à l'inverse, vous avez des joueurs d'origine algérienne, des grands noms qu'on connaît tous, qui sont dans l'équipe de France. Donc, on serait complètement, à front renversé, quoi. Vous imaginez les difficultés, les problèmes que ça pourrait créer. Donc, c'est effectivement, vous l'avez dit, un sujet très politique. C'était ma dernière question. Xavier Driancourt, merci. Merci pour votre parole courageuse. Nous sommes, je le répète, ravis et honorés de vous avoir en tant que directeur du comité stratégique de Livre Noir. Vraiment, c'est un honneur pour nous. Avant de souhaiter à tous nos auditeurs une bonne soirée, je les invite encore une fois à nous soutenir sur notre site internet www.livrenoir.fr et à s'abonner à notre magazine et à nos différentes offres, et également à prendre leur place pour l'événement du 30 septembre qui sera un grand événement politique. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci. Ces dernières semaines, nous avons assisté avec plaisir à un premier rééquilibrage de l'espace médiatique avec la montée en puissance de nombreux médias de droite. Parallèlement, les forces médiatiques de gauche, perturbées par ce rééquilibrage salutaire après 50 ans de domination idéologique, ont lancé une nouvelle opération de diabolisation. Cette force médiatique de gauche repose sur trois piliers. Les médias du service public payés par vos impôts. Des médias dits mainstream, possédés par des milliardaires sans que cela ne dérange personne, qu'ils soient des soutiens déclarés du pouvoir en place. Et des médias d'extrême gauche, tels que Mediapart ou Street Press, qui ne cachent plus leur affiliation aux thèses islamo-gauchistes et anti-France. Mais ce rééquilibrage ne suffit pas. À l'heure où 70% des Français se disent par exemple opposés à l'immigration, mais que 90% des médias, locaux compris, recommandent d'ouvrir les vannes. Face à cela, il est plus que jamais nécessaire que les médias indépendants se structurent, se professionnalisent, gagnent en rigueur et qu'ils puissent toucher tous les publics. Bref, il est temps pour nous de sortir de la simple dissidence et de proposer de véritables contre-pouvoirs médiatiques indépendants mais efficaces. C'est la raison pour laquelle notre média Livre Noir se réinvente totalement, avec une ligne éditoriale claire qui s'adresse à toutes les sensibilités de la droite, sans compromission et avec de nouveaux moyens de diffusion. C'est pourquoi nous sommes heureux de lancer un appel au soutien pour accompagner notre développement sur trois axes majeurs. Le premier, un grand magazine trimestriel avec un tirage de 30 000 exemplaires présent dans 5200 kiosques à travers toute la France. Il vous permettra à la fois de vous proposer des enquêtes et des dossiers de fond sur 160 pages, mais également de toucher une France plus éloignée des réseaux sociaux. Ce magazine verra son premier numéro sortir le 27 septembre et portera sur le grand thème de l'immigration pour lequel nous avons réalisé des enquêtes en France et à l'étranger, rassemblé les meilleurs experts du sujet et confronté les politiques. Deuxième étape, un comité stratégique qui accompagnera la professionnalisation de notre média. Présidé par l'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt, un des plus prestigieux diplomates français, il réunira des membres éminents tels que Thibaut de Montbrial, Boualem Sansal, Loïc Le Floch-Prigent et bien d'autres. Ce comité sera le cœur du dispositif de réflexion et d'émergence d'idées fortes et innovantes qui orienteront notre média. Troisième étape, un site internet sur lequel vous retrouverez chaque jour près d'une vingtaine d'articles de fond et de traitement de l'actualité, avec pour objectif de contrer les fake news et le récit fantasmé de médias comme Libération. En cela, une chronique lancée le 1er octobre sera consacrée à l'extrême gauche, comme eux prétendent le faire avec l'extrême droite. Pour accompagner ces projets, nous allons avec une équipe de 15 personnes suivre et décrypter la politique depuis le terrain, en étant un média qui tire son analyse des faits et non des prêt-à-penser passéistes et idéologiques au vernis d'apparence objectif. Soyez au rendez-vous et retrouvez notre magazine dans les kiosques à journaux le 27 septembre ou dans votre boîte aux lettres si vous vous abonnez dès maintenant. N'oubliez pas non plus notre grand événement du 30 septembre, la Grande Confrontation, où nous organisons 6 grands débats avec des personnalités politiques de premier plan sur lesquelles nous communiquerons dans quelques jours. L'équipe, nous l'avons. La technologie, nous l'avons. La motivation, nous l'avons. Les talents, nous les avons. Les experts, nous les avons. Il ne manque plus que vous. Prouvez que la gauche n'a plus l'apanage ni le monopole des médias indépendants, très largement soutenus par des abonnés. Comptez sur nous et à très vite.